Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une image HDRI avec le logiciel Blender. Qu'est-ce qu'une image HDRI? C'est un High Dynamic Range Image. Ce qui signifie une image de haute qualité. Bon, on peut mêler plusieurs photos qui n'ont pas la même sorte de luminosité. Bon, nous allons commencer. Voici notre cube de départ. Nous allons donc l'enlever. Cliquez sur X. Ensuite, effacez-le. Là, pesez sur Spacebar, puis l'espace. Ensuite, Add, Mesh, UV Sphere. Là, ensuite, vous cliquez sur OK. Vous avez votre sphère. Qu'est-ce que vous allez faire d'autre après? C'est vous allez dans la palette ici Editing ou F9. Cliquez sur Set Smooth. Ce qu'il va faire, c'est que Set Smooth va rendre la boule beaucoup plus arrondie. Donc, cliquez sur la touche Num 0. Où vous pouvez aller dans View, Caméra Key. Donc, vous avez votre boule ici. Qu'est-ce que vous allez faire d'autre? C'est que bon, vous avez sélectionné la boule, vous allez ici dans Shading ou pesez sur la touche F5. Ensuite, vous cliquez sur Add New. Là, pour la boule, vous allez cliquer sur Ray Mirror qui se trouve juste là. Ensuite, cliquez sur le chiffre 0 et mettez 0.5. Et qu'est-ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner une réflexion à l'image qui se trouve en arrière. Ensuite, cliquez sur Numpad 7 ou View, Top. Ensuite, cliquez sur la Spacebar, Add, Mesh, Plane. Là, vous avez votre plancher. Cliquez sur la touche S pour Scale. Ensuite, cliquez le chiffre 40. C'est donc le plancher est arrondi de 40 fois sa grandeur. Cliquez sur 0 ou allez dans View, Caméra. Ensuite, cliquez avec la droite de la souris sur la boule. Là, vous tirez par en haut. Donc, maintenant, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le plancher. Vous allez dans Add New, Ray Mirror, et mettez 0.5. Donc, le plancher va refléter l'image qui contient l'image HDRI. Donc, comme nous voyons aussi, ici, c'est les bordures de la caméra. Donc, le plancher est un petit peu plus grand, mais pas trop, sinon le render va être plus long. Donc, allez ici, dans Texture bouton ou F6, cliquez sur World, ensuite allez dans Add New, Texture Type, choisissez Image. Dans Image, cliquez sur Load, et là vous prenez n'importe quelle image. Par exemple, je vais aller voir dans My Picture. Oups, je sais pas pourquoi il n'y a pas de photo ici. Dans Pictures, mettons que je vais prendre une que j'ai faite. Désolé si c'est un peu long. Mountain Girl. Cliquez sur Select Image. Donc, nous voici avec l'image. Allez ici et nommez un nom pour votre texture. Par exemple, texture montagne. Donc ma texture s'appelle texture montagne. Allez dans le bouton World ici. Ensuite, vous avez déjà pris votre texture mais vous n'avez pas encore cliqué pour le monde. Allez dans Map Tool, désélectionnez Blend, cliquez sur Hurry. Ensuite, cliquez sur Paper pour que l'image affiche tout au complet. Donc la seule chose qui nous reste, c'est faire un render. Donc, allez là-dedans
et cliquez sur Render. L'image va bientôt apparaître. Et voilà, comme nous voyons aussi, c'est pas encore complété, mais on peut voir l'espèce de réflexion de la balle, le plancher par en bas. Ici, la moitié coupée par le plancher, mais si on n'avait pas mis de plancher, vous verrez complètement votre image en arrière avec la boule, ce qui ne serait pas très beau. Donc, voilà tout. Et au revoir.